Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Conor McGregor n'arrête pas de faire parler de lui, depuis des semaines. Il y a deux jours, il s'est illustré de la mauvaise façon. De retour à l'entraînement, il n'a pas pour autant mis de côté son amour pour les boissons alcoolisées. Défait selon son propre aveu, le combattant irlandais s'en est ouvertement pris à son père, sur Twitter. Certes fêtard, le Notorious n'en reste pas moins un compétiteur acharné. Pour lui, le sport et le MMA se placent comme des exutoires nécessaires. Dès lors, sa récente période d'indisponibilité n'a pas dû être facile à vivre pour lui. Blessé au tibia lors de son dernier combat face à Dustin Poirier, l'homme se retrouve cependant petit à petit toutes ses capacités physiques. Il reprend donc progressivement l'entraînement et ne lésine pas sur l'intensité de ses séances. On a pu le constater dans une vidéo récente, assez impressionnante. Toujours privé de combat, il continue par ailleurs de profiter de la vie et de consommer un maximum d'alcool. C'était encore le cas samedi, comme il l'a lui-même révélé dans un tweet, depuis supprimé. Il disait « Je me bourre la gueule au bord de la piscine, dans cet hôtel. Bon samedi à tous. » La boisson a par la suite fait rejaillir un passé obscur chez lui, dans lequel son père, Tony, jouait un mauvais rôle. Une site d'information, le Irish Mirror, s'est chargé de rapporter les différents tweets où il s'adresse directement à son paternel. Ces mots étaient « Il y a des années, je combattais à Dreamnag. Et le matin de mon combat, mon papa m'a dit « Si tu perds, est-ce que tu vas te trouver un vrai boulot ?» Je vais l'appeler et le virer maintenant. Papa, t'es viré. Casse-toi de mon yacht. » Ce retour en arrière l'a par la suite poussé à réaliser une véritable dinguerie. En effet, il semblerait que sur un coup de tête, il a racheté toute la zone où a eu lieu cette vieille scène. Voilà les images du lieu en question. Conor continue en écrivant. Ironie du sort. Aujourd'hui j'ai acheté tout le pâté de maison, où se trouve le club dans lequel j'avais combattu, à cette période. Toute la rue est à moi, jusqu'au marbre. Après avoir décuvé je pense, le combattant est revenu sur les propos qu'il a tenus, à l'encontre de son père. Par la suite, il n'a cessé d'étaler sa fortune, comme à son habitude. Il disait, bon allez papa, t'es réembauché, et tu peux garder le yacht. J'en ai deux nouveaux de toute façon. Je t'aime papa, espèce d'animal fou. Je sais que c'était par inquiétude, et ton inquiétude m'a bien orienté. McGregor pour toujours. Quitte à choisir, les fans préfèrent à coup sûr cette version ivre de Conor, plutôt que celle qui agresse sans raison, de parfaits inconnus.